nous sommes de retour. Alors cette fois c'est un peu étrange parce que c'est pas le matin et tout ça. Dernière fois on était un peu obligé de s'arrêter ici. Mais c'est un peu, on va dire que c'est un peu le problème quand on arrive dans des villages, quand il y a des choses à fouiller et tout ça. Du coup on se fatigue pas vraiment parce qu'on va simplement dans des maisons et du coup bah on est en pleine forme alors que il fait nuit quoi. Enfin bref, bienvenue. Alors nous avions, la dernière fois nous avions, on va sortir un peu la map, nous avions fini de fouiller, donc nous sommes le centre communautaire, c'est là, donc c'est ici, oui c'est là, donc on a fini de fouiller en fait toute la zone, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner donc à la grange qui est là, je l'ai pas dessiné mais elle est là, donc on va retourner à la grange, comme ça on sera protégé en fait du vent et tout ça. Et après, on va aller donc... Alors, parce que la ferme, elle est là. Ouais, non, on ira directement au crash, en fait. Au crash de l'avion qui se trouve par là. Voilà, à peu près par là. Donc, voilà, on va faire ça. Et comme j'avais dit, après, on pourrait faire le tour sur le côté. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a quelques abris et tout ça. Mais honnêtement, c'est beaucoup de marche pour très peu de récompenses. Donc, on va directement... aller au crash de l'avion. Et une fois qu'on aura fait le crash, on ira encore un peu plus en hauteur. Et ça va être notre endroit avant l'ascension vers le mont Timberwolf. Donc voilà, on va faire ça. En tout cas, on va peut-être partir maintenant. Genre dehors. Ouais, non, il fait déjà. Je sais pas. On va voir dehors en fait. Quel temps il fait. Mais en tout cas, on doit prendre ça. On doit prendre beaucoup de choses. On est déjà à 38 kilos. Okay. On a beaucoup de bois sur nous. Alors depuis... j'aime pas trop parler de ça parce que ça sort un peu de l'ambiance du jeu. Mais donc, il n'y a pas eu de mise à jour, rien depuis, je crois pas. Donc on va toujours avoir ce problème là de chargement qui freeze un peu le jeu. C'est vraiment très très embêtant. Et j'avoue que ça me gâte. Et honnêtement, ça donne pas vraiment envie de jouer, honnêtement. Mais bon, va falloir qu'on avance, quoi. Va falloir qu'on avance. Mais voilà. Sinon, nos vêtements... Ah oui, on avait ça à jeter. Ça, c'est vrai que je m'en rappelle maintenant. Je commence un peu à m'en rappeler. On avait ça. Le reste, ça va bien. Pourcentage... on est très, très potable. Très bien. On a encore un peu d'autre côté. Bah, tiens, on va en prendre aussi. Très bien pour les outils. On a deux conserves. C'est normal, je me rappelle plus. Est-ce qu'on laisse une conserve et on prend un fait tout? Je crois qu'on va faire ça. Je ne sais plus vraiment ce qu'on voulait faire. On a les l'arc, on a les flèches. Très bien, on a ça. Ici, on va laisser... On a combien de métal? On a 10 métal. Je pense que ça suffit, 10 de métal. Je pense que ça suffit. Et après, on a le bois et tout ça. Je pense que c'est bien, comme ça, de laisser... Ouais, même les allumettes et tout ça, on va en laisser. Alors, faut voir un peu le temps. Si on a un beau temps, peut-être qu'on pourrait tout simplement aller à la grange, retourner à la grange maintenant. On va voir un peu... Ah non, ça va être relou parce que c'est dans cette direction qu'il faut aller et on a le vent. À la limite, si on n'avait pas le vent, ok. Mais là, là non. Ah, là, ça va trop être chiant en fait. Faites voir si on peut voir en fait d'ici. Je crois que c'est plutôt par là-bas. Et nous, après, on va aller là-bas. On a une belle vue quand même. Hein. On a quand même une belle vue. Bon, bah, du coup. Du coup, est-ce qu'on a des choses à faire? Bah, pas vraiment. On a juste à s'occuper en fait avant de dormir. C'est embêtant. Par là.
peut récupérer des massettes. Quand on va avoir froid. Il n'y a pas de massette, c'est cool. Bon, ça sert à rien. Allez, on va rentrer. On va rentrer, on va passer le temps. C'est un peu embêtant parce que il fait pas tellement... Quoique même contre le vent, en fait, il fait pas très froid. Ouais, on pourrait peut-être partir à la grange maintenant. Comme ça, on pourra dormir directement là-bas. Je crois que c'est ce qu'on va faire. On va aller récupérer les... On va se réchauffer, on va aller récupérer le matériel. Et on va partir. On va faire ça. Oui, parce que là, le temps qu'on ait froid, en fait, on aurait pu l'atteindre, hein, la grange. On aurait pu vraiment l'atteindre. Comme j'ai dit, ici, il fait pas extrêmement froid, donc ça va. Embêtant. Alors, est-ce qu'on prend du bois? Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on prend du bois? Est-ce qu'on a besoin du bois? Je dirais que non. Ça on prend. Ça. On a une scie supplémentaire. Je pense pas qu'on va la prendre. Par contre, ça, la pierre aiguisée, je pense qu'il faut la prendre. Parce que ici, est-ce qu'on va revenir ici? Parce qu'en fait, ici, c'est le... Si on regarde la map, nous, pour revenir à notre camp, faudra passer par là, en fait. Donc on va devoir passer par exemple à la colline au signal. Mais de ce côté-là, non, pas vraiment. Donc à la limite, on pourrait prendre les choses ici et les transférer là-bas. Parce que genre aiguiser nos armes, enfin aiguiser notre hache et tout ça, on n'en aura pas besoin en fait dans le mont Timberwolf, on va pas le faire. Donc on pourra laisser tout ça là et quand on redescendra du mont, on récupérera tout et on fera ligne droite directement. On va faire comme ça, donc on va se charger un peu. Mais c'est pour la bonne cause. Donc on va faire ça. Celle-ci, j'ai envie de la laisser. J'ai envie de laisser ça aussi. Genre laisser des trucs. Je sais que c'est un peu une habitude à la con quand même, mais bon. Est-ce qu'on laisse des allumettes de bois? Ouais, non, c'est pas grave. De toute façon, après, on pourra revenir quand on veut. Hein. C'est pas grave. Ah oui, par contre, la nourriture. Tiens, je viens de m'en rendre compte. La nourriture, on fait comment? On n'a pas de nourriture. On n'a pas de nourriture. C'est peut-être le détail que j'avais oublié. On va prendre ça. C'est qu'on n'a pas de nourriture. Non, j'ai pas de nourriture. Non. Bah du coup on va... Ah, on devrait prendre peut-être le bois pour faire du feu à la limite, pour avoir du bois en réserve. On pourrait faire ça genre un peu. Hop, et on prend le... Ça. Voilà. Allez, on y va. On y va. On a 500 calories. Ouais, on va devoir faire de la nourriture. Je me rappelais plus honnêtement. Bon bah, il n'y a plus la tempête, c'est déjà ça. Et il fait même pas froid. C'est très bien. Très bien. Très bien tout ça. Donc on va voir si on peut pas récupérer un truc sur la route. Enfin, récupérer un truc sur la route, c'est plutôt genre un lapin. Après, si on voit un loup ou quoi que ce soit, je sais pas si ça vaut le coup de le chasser. Je dirais que non. Parce que si c'est animal qu'on chasse, il va falloir le dépecer, le couper, tout ça sur place.
Et on commence à être un tout petit peu fatigué, on va avoir du mal à porter les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a là-bas, on va voir. Il y a un cadavre apparemment. Beau temps, hein. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois, la différence de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur, ça gâche un peu des fois le jeu, j'avoue, parce que là il fait quand même encore super jour quoi. Il est en haut ou en bas? On pourrait dessiner, vu qu'on est en hauteur, pourquoi pas en profiter. Par contre, on a un peu de temps à avancer parce qu'on est un peu lourd. Ok, c'est pas mal. Ah, ça y est, le froid arrive. Bah du coup on pourrait prendre un steak ou deux. J'ai envie de dire. Hop. Ok. Toujours ce buzz. Oh là là. Par contre, on commence à être à 46 kilos. Si jamais je vois pas la ferme après cette petite dune là, ça veut dire qu'on est quand même très loin, donc on ira, on continuera peut-être pas, on reviendra sur nos pas. Ah non, ça va. Il y a le pont là. Non, ça va. On devrait être bon. On devrait être bon. Est-ce qu'on va faire à manger maintenant ou pas par contre? C'est vrai qu'à la faim, pardon. Je regarde là, je sais qu'elle a froid dans ma tête, donc j'ai ça qui était bloqué en fait dans ma tête, le fait qu'elle est froid. Mais je voulais dire qu'elle a faim, et du coup j'ai dit qu'elle a froid. De toute façon après il faut pas 3 heures pour faire un steak quoi, donc bon, à la limite on peut faire cuire maintenant et comme ça on dormira. Par contre il va falloir utiliser des allumettes. J'ai peur qu'à l'intérieur on voie rien. Ça va m'embêter. Ça va m'embêter. On va rien voir. On va rentrer dans la grange, on va rien voir. Je pense qu'il va falloir que je sorte la torche. Et après, on ira là-bas. Alors, je voulais dire que toute cette zone-là, devant moi, là, comme ça, en ligne, je la connais pas des masses. Donc, on risque de se perdre un tout petit peu. Donc, il va falloir vraiment y aller quand on aura une bonne visibilité. Et prions pour qu'il fasse un tout petit peu de lumière, un tout petit peu. Oh putain, on voit rien. Attendez, si on est rentré par cette porte-là, le feu il doit être à côté. Sinon, je sors la torche. Hein, mais le baril il doit être là. Oh putain. Quoi? Voilà la trappe à essence. Je sens qu'on va sortir la torche. Ah, qu'est-ce que c'est? Attendez.
capot là. Donc il y a le véhicule, donc derrière. Non, on doit être juste à côté du baril pour faire du feu. On doit vraiment être à côté. Ok, ça m'a saoulé. Ah, il était plus... J'ai cru qu'il était plus profond, en fait. Ah, ça me... ça me gonfle, ça. Mais d'une force. Mais d'une force. Surtout qu'il faisait lumineux à l'extérieur. Après, pour ceux qui vont me dire, attention, mais il n'y a pas de fenêtres et tout ça. Il y en a assez, des fenêtres. Tout ce que vous voyez là, tous les carreaux là, c'est des fenêtres. Et genre elles sont opaques. Genre il n'y a aucune lumineuse. C'est pas genre elles sont sales. Là c'est vraiment les fenêtres où vous avez... Je sais pas ce que vous avez foutu et mis dessus, mais genre c'est opaque. Il n'y a rien, il n'y a même pas un brin de lumière. Je sais même pas pourquoi on voit ça en fait. On dirait qu'il n'y a rien qui passe. Quand on se met comme ça. Genre c'est un papier qui est collé dessus. Bon, combien de temps ? 30 minutes. Ah, ça va. Ça va. 30 minutes. 30 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ben voilà. Ben voilà ce qu'on peut faire. All I can think about is food. Voilà. Très bien. Ouais, il nous faudra des réserves de nourriture. Mais je pense que les réserves de nourriture, on se les fera quand on sera vers la hauteur. Comme ça, on... Parce que sinon, on va devoir rester ici, chasser, c'est relou. J'ai pas envie. J'ai pas vraiment envie. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un peu d'eau. On va se faire un tout petit peu d'eau. En même temps. Ouais, très bien. Hop. On va mettre ça là. 2 litres. Ouais, très bien, je pense que ce sera suffisant. On va se mettre dans la voiture. On va manger. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà. Alors là, on est bon. 2 gros steaks comme ça, c'est très bien. Voilà, maintenant... maintenant on dort. On n'a pas besoin d'utiliser le sac de couchage, on va dormir. Attendez, elle est fatiguée. Et je pense qu'on va se réveiller, il fera jour, j'espère. Faire 10 heures. C'est parti. C'est toujours un peu le risque en fait. On est en pleine forme, ok, ça marche. Attendez, on commence à distinguer un carreau devant nous. Non? Ou c'est moi qui deviens fou? Entrer dans le véhicule, non. Attends, fermer capot, non. Alors, du coup, j'ai trop tourné, je suis devant la voiture. Je veux juste récupérer mon faitou à la noix, là. Oh. Eau non potable. Merde. Ah, jetez là. Ok. 44, ouais, faut pas exagérer. Si on était un peu moins lourd, je dirais oui, pourquoi pas. Mais... Déjà 42 kilos, ça suffit. Ça suffit les bêtises. Ok, on y va, on se casse. Merci. On est sorti de cet enfer. Cet enfer des ténèbres, quoi. Oh, il fait super froid.
fait super froid. On va attendre encore un peu, on va vraiment attendre qu'il fasse jour. On va pas pouvoir partir, sinon ça va être la merde. Oh mon dieu, ce freeze. Sinon ça va être la galère. Fais voir un peu, hop, très bien. Ça va pas être assez. On pourrait... Non, pas une tente. Non. Je suis en train d'utiliser le couteau, je sais. Une tempête, ça c'est chiant, ça va nous bloquer ici. Si on est bloqué ici, on va chasser et on va trouver, on va se faire manger. Ouais, non, on peut pas. Bon, faut voir pour du bois. C'est embêtant. Le problème, c'est pas vraiment d'attendre et tout ça, rien faire. Enfin, oui, c'est chiant, mais encore, ça va. Mais le problème, c'est de pas avoir de nourriture, en fait. Pas avoir de nourriture de réserve. Ça s'est calmé? C'est juste le fait de pas avoir de nourriture de réserve. On a des massettes. Et on peut vraiment pas passer sous les... à zéro, parce que sinon on perd le bonus. Alors là, ça va nous chambouler en fait toute notre aventure en fait si on passe à zéro calories. Ça a vraiment tout nous gâché. Ça va vraiment tout nous gâcher. On a dormi encore une heure. Mais je pense que ça s'est calmé. J'espère qu'il va refaire un peu plus chaud, genre vite. D'accord, ça se... Ok, ça marche, c'est bien. Et j'adore ma vie. J'adore ma vie. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux passer mon temps à casser des caisses, mais ça va être relou. Ça va être légèrement ch... Attends. Non, c'est parce qu'il y a l'étagère à côté. Ça va être légèrement chiant de casser les caisses. Bon, on peut faire encore du bois... du feu, pardon. On peut faire de l'eau. Il devrait aussi rajouter un système. Bah, tiens, vu que j'y pense maintenant, je pense même pas en avoir... parler. Un système où les calories seraient gérées aussi par la difficulté de l'action. Genre par exemple, si on utilise une hache pour couper une caisse par exemple, vous n'allez pas vraiment trop vous fatiguer parce que bon, vous avez une hache, vous mettez deux coups, le truc casse, ça se coupe, enfin voilà quoi, c'est pour du bois. Par contre, si vous le faites à la main, ça, alors déjà ça va vous prendre plus longtemps, mais ça va être beaucoup plus difficile. Quoique non, en fait non, c'est géré par le temps. Ouais, de répondre à ma propre chose en fait. Oui non, c'est juste géré par le temps, vu que ça dure plus longtemps, vous consommez plus de calories, alors qu'avec les outils c'est plus rapide, donc vous consommez moins de calories. Donc oui, non, ça va. Non, j'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. Oubliez ce que je viens de dire. Eh, c'était une bonne idée, hein. C'était une bonne idée, hein, mais bon. Bah, ils ont déjà pensé à ça, grâce au temps. J'ai envie d'enlever ces beaux cartons là pour voir s'il y a des choses à l'intérieur. Ça me tracasse.
Il est midi. On va on est bloqué ici. Il nous faudrait un truc qui passe près de nous, genre un lapin, un truc, je sais pas, un loup. Un loup, faudrait qu'il y ait un loup qui nous passe à côté. Oh, waouh, super. Et les loups? Eh? Eh? Je suis là. C'est marrant parce que on n'est pas poussé par le vent, c'est comme s'il n'y avait pas de vent en fait. Intéressant ça. C'est du vent invisible en fait. Enfin c'est du vent visible mais qu'il n'y a pas de... J'en sais rien, je sais pas ce que je veux dire. C'est marrant, il y a une tempête mais on peut aller contre la tempête. On va devoir manger les macettes. On va devoir aller manger les macettes. On va aller dormir, ça nous évite d'utiliser trop de calories. C'est ce qui utilise le moins de calories, c'est de dormir, parce que si on attend, ça fait beaucoup. On va devoir aller chasser. Ouais, on va devoir aller chasser. Ou alors on retourne sur la rivière et on prend plein de masse. Ouais non mais non, on voit rien là. Non mais il fait méga froid. On va perdre le bonus, t'es sérieux? J'ai pas envie de perdre le bonus. Oh, à chaque fois de rentrer dans la grange là avec ce freeze. Oh mon dieu, tout qui va m'énerver. Après on pourrait faire ça et les boire mais... Pff, oh mon dieu. On va pas faire que ça quoi, sinon ce serait débile. On va tout gâcher notre réserve en fait. Le problème c'est que si jamais on perd notre bien nourri... Bien nourri c'est quoi? C'est 72 heures. Si jamais on le perd maintenant, on ira se placer genre prêt pour le mont Timberwolf. Et moi je ferai une ellipse et je jouerai de mon côté. Le temps de récupérer en fait le bonus de bien nourri. Parce qu'on va pas pouvoir prendre la corde et tout ça. On sera trop lourd, il y aura trop de choses à récupérer. Dans l'espoir qu'on récupère des choses. Donc on pourra jamais redescendre en fait. Donc on peut pas se permettre d'y aller sans le bonus. Donc si jamais on le perd, on va devoir, faire une pause. On n'avait pas laissé manger quelque part. Ça se mange les livres? Je pense pas. S'il faisait pas aussi froid aussi. On peut voir, on a combien? 10? 10 fois 150? Ça nous ferait 1500 de plus. Ouais, on peut tenir encore. Le truc, c'est qu'elle n'est pas fatiguée. Donc, chasser, se balader pour aller récupérer des massettes et tout ça, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il est extrêmement froid. Et, enfin, c'est même pas ça le pire. C'est que je vois rien. Parce que littéralement, je vois strictement rien. Parce que
que je sais que c'est dans cette direction à peu près. Il y a où il y a le pont d'où on vient en fait. Et mais je suis même pas sûr en fait que ce soit là. Non attendez, faut pas que je me perde non plus. Ce serait bien qu'un loup passe par là et qu'il me voit en fait. Il y a rien j'imagine. Ouais non mais on va se perdre. Là-bas il y a la route je crois. Je distingue quoi. C'est quoi la route? C'est quoi quelque chose? Ah non c'est les granges. Enfin les granges. Les réserves de foin. Bon, bon. Non, non, on prend un mauvais tour, je vais me perdre, on va mourir de froid. Vous voyez, je suis déjà plus trop sûr du chemin. Oui, non, c'est là, c'est là. Attendez, il y a quoi là? C'est bizarre hein, que le vent ne repousse pas. Hein. Très très bizarre. On rajoute ça encore au bug. On va rajouter ça à la liste. Ah, notre épisode qui devait être une aventure qui se transforme en attente. Qui se transforme en attente toute bête. On va devoir aller chasser la nuit. On va en récupérer des massettes. C'est pour ça que toujours au moins une dizaine de massettes. C'est vraiment bien. Faut qu'on mette en ordre alphabétique. Très bien, est-ce qu'en boisson on est bon? Ok, on va faire ça. Ça devrait nous faire encore 20, 125 de plus. Et on est full en boisson. Et on va du coup dormir. 2 heures. Non, mais sans déconner là. Enfin après on a peut-être pas dormi très longtemps parce qu'elle était pas très très fatiguée non plus. Ah on peut le faire à la main ça aussi? Allez super. Manquait plus que ça. Je suis tellement déçu. Alors, du coup, on va chasser de quel côté, nous? Je sais pas non plus. On peut aller... Ça, c'est vers la route, je crois. La route, il y a des lapins. Peut-être des loups. Mais je crois qu'il y a des lapins, déjà. On avait croisé... Oh, il y a un cerf, là-bas. Quoi ça? C'est un cerf aussi?
Ok, on a de la chance. On a un tout petit peu de chance. Bon, il fait pas extrêmement chaud non plus. Ça va être un peu relou, mais... On peut faire de... On peut faire du feu à l'extérieur. Oh, vas-y, il faut que le truc il aille de... à l'opposé, quoi. Faut pas aller le... Faut pas le louper, là, par contre. Je suis pas sûr lequel aller. On pourrait faire un feu à l'extérieur. Il n'y a pas de vent. On peut faire ça. Le tueur silencieux. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. On va faire du feu à l'extérieur. Ça va être bien, ça, c'est une bonne idée. Merde. Ah putain. Tu fais exprès? Là, il fait pas très froid en plus, ça va. Chut, ferme ta bouche. J'avais peur que ça passe pas, mais ça passe. Ok, let's go. On va allumer une torche, on va récupérer le bois qu'on a, on va faire un feu à l'extérieur pour directement cuire tout à l'extérieur en fait. De toute façon on a une tempête, ça m'étonnerait que le vent se relève. Maintenant que je viens de dire ça, je regrette complètement de l'avoir dit. Là on a récupéré plein de bois. Ok, c'est très bien. Oh, on a eu de la chance d'avoir ces serres là. Ok, les affaires repartent. Amende, les affaires reprennent. Ok, c'est parti. Ok. Ça suffit, parce que j'en ai même encore sur moi. On va prendre ça, par contre, si jamais on dort à l'extérieur. J'ai peut-être un peu abusé. Non, c'est pas grave. Let's go. Peut-être un tout petit peu abusé sur le bois. C'était où? C'était bien là? Je me rappelle plus déjà. Ah, faut que je me concentre. Ouais, non, c'est là. Merde, le cerf. Faut que je me concentre un peu plus parce que j'ai l'impression de me perdre. À chaque fois que je passe un écran, ça, tellement que ça me frustre en fait ce lag. Je pense même plus à ce que je devais faire et tout. C'est vraiment, vraiment très embêtant. Ça donne vraiment pas envie de jouer, honnêtement. C'est ce problème. Ça donne vraiment, vraiment pas envie de jouer. Je crois qu'on a des accélérants. J'aurais dû peut-être l'utiliser. Bon, c'est pas grave. Come on, little fire. J'en ai tué deux aussi, juste pour avoir un petit surplus de. Oh yeah. That's a good one. Deux heures. Ok. Alors déjà, on va faire ça. Comme ça, on va directement mettre un steak. Alors on aurait pu mettre deux. J'aurais pu mettre deux steaks directement. Ok, 30 minutes. Attendez, comment, dans quel état elle est? Ok, ça va. Très bien.
Non. Non. Mais non. Mais c'est une arnaque totale, ce jeu. On va retenter. 45 minutes. Ok, ok, ça s'est pas... J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ça c'est cru, cru. Non, il y a toujours du vent. Il y a toujours du vent. C'est possible que le feu s'éteigne. C'est incroyable ce jeu. Très bien. Voilà, une heure, pas plus. Et merde. Le vent qui s'est relevé. What? Ah ok, il a vu le cerf, ça va. C'est pas grave. Oh, ferme ta bouche! Il est juste derrière nous, il a dû attaquer le cerf. Il est où? Il est là. Ah non, le cerf a dû partir, je crois. S'il m'avait pas... J'aurais peut-être pas dû me lever, parce que je me suis levé sans faire exprès. Je crois que c'est là qu'il m'a senti. J'aurais dû lui mettre directement une flèche en fait, pendant qu'il était en train d'avancer doucement. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon. 38 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Ah bah tiens, on a plus de... Enfin, on peut faire ça. Ouais. La crue encore deux. Là, c'est bientôt fait. Qu'est-ce qu'on fait? On va à l'autre carcasse. On prend une torche, on va à l'autre carcasse et on fait du... Il est là, ce con. Et on fait du feu à côté de l'autre carcasse, je dirais, à la limite. On peut faire ça, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Attendez, on va faire ça. Plus vite. Si on a un con de l'eau qui traîne. Ok, très bien. Voilà. Il arrive. Il m'a pas vu. Elle est où ma flèche?
Elle est là. Putain, j'ai vraiment cru qu'elle allait sur sa tête là. Ah, cha. C'est embêtant ça. Ah bah on est bon, on est bon. C'est juste que bon bah ouais au final c'est pas vraiment bien passé, mais c'est pas grave. Au moins là on a fait réserve de nourriture. On est un peu froid parce que le feu il est pas aussi fort que l'autre. Par contre je dirais que à la limite il faudrait faire aussi de l'eau. J'ai envie de dire parce que on va tomber à court d'eau et ça sera embêtant, donc on va faire steak eau. Il est pas revenu l'autre con. Non. Oh putain quel con. Je suis de la merde. Je fais n'importe quoi, ça y est. On est bon. Tout va bien. On reste concentré, on récupère de la nourriture et tout ça, c'est cool. Regardez-moi tous ces steaks qu'on a. On pourrait même dormir ici. J'ai même envie de dormir ici en fait. Allez. Genre une petite heure. Non. Comme ça, ça nous permet de récupérer un peu de fatigue, parce que sinon elle va commencer à avoir du mal à transporter les choses, et là on a quand même beaucoup de... Oh mon dieu, ce lag. Et là, on commence à avoir beaucoup de nourriture, en fait, à récupérer. Non, attendez, le feu, 1h30, 16, ok, très bien. J'étais en train d'hésiter entre prendre un nouveau steak ou dormir une heure. Vu qu'on peut pas dormir 30 minutes, c'est un peu chiant. Bon, moi on récupère. Ah mon dieu, j'avais oublié. Aïe aïe. Ok, très bien, bien joué. Bon, au moins elle est en pleine forme. J'ai pas regardé. Le feu. Bon bah ça va, on a rattrapé notre problème en fait. On fait de l'eau encore, mais honnêtement on n'en a pas vraiment besoin. Je crois qu'on est arrivé. On est arrivé à bon port là, niveau de haut. Et du coup, on va pouvoir partir pendant la journée. Parce qu'on s'est reposé du coup. Mais je crois qu'on va garder ça pour. On va garder ça pour le prochain épisode. Je
peut-être un peu abusé là, non? On avance là ou pas? J'ai même pas un peu. J'ai entendu un loup là. Ah oui. Ah, il est allé manger un steak qu'on avait posé par terre. Il est allé manger un steak là-bas. Non, ça va, on y arrive, on y arrive. Au pire, on peut genre jeter un leurre, en fait, ça va jeter la viande. Je pourrais balancer genre les 10 steaks d'un coup par terre. Arrête de parler, je suis en train de parler, merci. Je pourrais balancer les 10 steaks par terre si vraiment on a besoin de courir, mais là ça va. Là on est bon. Au moins on les a, les steaks. On va les mettre devant la porte. Et on va dormir le plus possible. Ouais, on va dormir le plus possible. Je crois que ça va être la fin de notre épisode, hélas. Donc du coup, ben, c'était un peu l'épisode de rattrapage. Où on a rattrapé notre problème, le fait qu'on n'avait pas assez de nourriture. Désolé, c'est pas passé grand chose, mais bon. Après, comme j'ai dit, hein, si on commence à couper et tout ça, ça gâcherait un peu le thème de la survie du week-end, quoi. C'est tout du cuit que j'ai pris, y a aucun frais. On va prendre deux steaks, on va rentrer. On va sûrement rien voir. J'avoue que ça... Je vais continuer encore les épisodes pour en avoir d'avance et pour que ceux qui sont membres de la chaîne, tout ça, puissent les voir en avance, en fait. Tout est dans la description si vous êtes, si vous demandez de quoi je parle. Mais j'avoue que c'est pas extrêmement fun, en fait, de jouer en ce moment à cause de ce lag. J'avoue que c'est plutôt une corvée, quoi. Parce que là, là il faudrait qu'on prenne un autre steak, mais il faut sortir et re-entrer. C'est un problème. On va le faire, hein, mais... C'est un gros problème, hein, ce lag. Ça me gâche complètement l'immersion. Je crois que j'ai dit exactement pareil la dernière fois, mais... Je regarde si on a tous des steaks de 1000... Je sais pas pourquoi on avait un steak avec 99 de... Excusez-moi, 99 de calories. Peut-être un truc que j'ai pas fini en fait. Sûrement. Voilà, on va faire ça. Je me disais pourquoi l'inventaire il apparaissait pas. Ok. On a récupéré, elle fait tout. Hein. On a récupéré, elle fait tout. Ouais. Hop. Ok, donc on a ça. Je pense qu'on va prendre 4 ou 5 steaks sur nous quand on va partir. Donc on est là. Donc on n'a pas extrêmement avancé, honnêtement. Ouais, on n'a pas vraiment très très avancé. Je suis un peu dégoûté. Mais on a eu une tempête. On a eu une deuxième tempête maintenant. On a récupéré de la nourriture. On est prêt. On a de l'eau. On est prêt. Honnêtement, on va dormir maintenant. Et on va se réveiller vers... il fera pas midi. Il fera... Je sais pas... 10h, 11h, et on ira directement, on prendra des steaks sur nous, comme j'ai dit, et on ira directement à l'épave de l'avion. Comme ça, là, ça nous fera vraiment une bonne aventure. Donc, voilà. Attendez. Ah non, putain, on est derrière. Oh, je vois rien pour le fond. Quoi ? Table en métal. Allez, je veux juste aller dormir, quoi. Et là, la voiture. Je vois rien du tout. Je vois juste le carré, là, devant moi, mais... Là, j'avoue, ça m'embête. Je vois strictement rien. On va garder cette torche.
Ouais, donc la prochaine fois, on ira directement à l'épave, et puis après, le Mont Timberwolf, on se prépare. Je suis bloqué, je sais même pas où je suis. Ah, capot. Ah, c'est bon, on y est. La vache. Ah, l'épisode de la frustration, quoi. Ah, le bon épisode de la frustration. En tout cas, c'est fini. Ah, on continuera la prochaine fois, comme j'ai dit, avec un peu plus d'aventure, parce que là, on a fait un peu du surplace. Ah, mais bon, ça arrive de temps en temps, c'est comme ça, c'est The Long Dark. Donc, passez un très bon week-end, à la prochaine. Ciao, ciao. Et on va dormir. Hop là, repos maximum, et on sera prêt pour l'aventure.